Alors, bienvenue pour cette vidéo de déballage, unboxing, de la Apeman A80 Action Cam. Donc, j'ai fait ça essentiellement pour mon ami Cara, qui avait peut-être envie d'acheter la même, et on s'en est rendu compte juste après que j'ai acheté la mienne. Donc, dans la boîte, il y a une pochette de transport, un petit mot de bienvenue. Et dans la pochette, qu'est-ce qu'on a? Attention. Tadam! Donc, la caméra qui est ici, dans son boîtier étanche, qu'on peut ouvrir ici. Ça fonctionne. Et j'ai réussi tout à l'heure. Hop, voilà. Donc, on la voit bien ici. L'emplacement pour la batterie. Je trouve le système un peu cheap quand même. J'ai peur que, après quelques usages, là, ça soit pas super robuste. Après le premier usage, non? Donc, le port USB. Le port HDMI, si je dis pas de bêtises, l'emplacement pour la SD card, qui n'est pas livré avec, hein. J'ai triché, j'ai déjà inséré. Hop. Donc ça peut prendre jusqu'à 128 Go. Ici, donc des boutons, je suppose pour le volume, je ne l'ai pas encore essayé par contre. Un bouton OK, un bouton mode. J'irai peut-être manuel avant de vous la montrer en action. Hop. Plein d'accessoires. Aucune idée à quoi ça sert. Ah, ça c'est bien parce qu'il n'y avait pas la petite vis là sous l'appareil, donc on a l'emplacement ici. Je suppose comme ça. Ah, dans les deux sens, on va. Je sais pas en quel sens ça s'insère. Je suppose que c'est dans l'autre. Et je suppose que c'est avec le bouton OK accessible. Voilà. Donc là, on a la cam qu'on peut visser en haut, en bas. On pourrait même visser ici, on visser une autre par-dessus, je suppose. Et on a accès à tous les boutons. Pas à la batterie, par contre. Ni à la carte SD. Ensuite, un support comme ça. Il faut vraiment que je lise le manuel. Ah, du 3D. Ah, j'imagine. Ça, c'est pour comme la caler sur le tableau de bord, des choses comme ça. Et ensuite, certainement avec un de ces systèmes-là. Je vais lire le manuel et je reviens. Du velcro, est-ce que c'est ça? Des sangles, est-ce que c'est pour attacher ça? Est-ce que c'est ça? Ah, des petites attaches. Alors, le câble USB et le manuel que je vais m'empresser de lire. Une deuxième batterie d'ailleurs. Il y avait une batterie que j'avais déjà insérée à l'intérieur qui était là et la deuxième batterie ici. Alors, comment ça s'allume? C'est la SD card. Pourtant, il y en a une.
On m'avait dit qu'il fallait la formater à l'intérieur. Panique pas. Ça parle, c'est pas écran tactile, je pensais que c'était écran tactile, mais en même temps c'est un tout petit écran. Bon, je vais lire le manuel et je reviens. Bon, j'espérais pouvoir avoir plus d'informations sur les différents accessoires qui sont dedans grâce au livret. Mais le livret, sincèrement, je pense que j'ai rien appris du tout dedans. Il y a des tas d'options qui sont dans le menu de l'appareil qui ne sont pas décrites là-dedans. Les accessoires, il n'y a rien du tout. Je pense que le livret, ça ne sert même à rien de l'ouvrir. Donc la caméra, elle se présente comme ça. Donc les petits accessoires, là, tout ce qui est ici, en fait, c'est pour bien les brancher ici et les brancher ensuite sur des casques, des guidons de vélo, des choses comme ça. Il y a ça, là, je pense que c'est pour mettre sur un guidon. Mais il y en a ici, je peux encore trouver parce qu'il n'y a que deux petits traits. Sur le boîtier étanche, il faut suivre avec les trois petits traits. Donc ça, je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais bon, peut-être que vous pourrez m'aider. Si vous savez à quoi ça sert, mettez-moi un petit commentaire avec la réponse. Donc le boîtier étanche, il est comme ça. Je ne l'ai pas testé. J'aime pas tout ce qui est censé être étanche, donc je pense... Je serais à l'aise à utiliser sous la pluie, ce genre de choses, mais j'irai pas dans l'eau avec. Donc pour l'ouvrir, c'est ici. Hop. Je trouve ça... Je suis pas très confiant sur le fait que ça va résister plusieurs années, là, ce système d'ouverture avec le petit bouton qui est là. Mais bon, on verra. Et ensuite, pour faire basculer la petite trappe ici, on sort l'appareil. Et voilà. Donc je pense que je peux vous montrer l'intérieur des menus. Ce sera toujours plus intéressant que le livret. Pour l'allumer, le petit bouton ici. On va rester 3 secondes. Donc les menus. Donc faut jouer avec le bouton à l'avant. Pour passer ici donc en mode appareil photo. Là j'ai le mode vision. Et les menus. J'espère qu'on y verra. Donc la résolution. Dans la 4K, on peut descendre. Le retour. Je ne suis pas certain d'avoir le bouton retour. En fait, je pense que pour le retour, il vaut mieux resélectionner la même affaire. Loop recording, donc ça c'est, je l'ai mis sur off pour avoir des vidéos de la longueur que je veux entre le bouton, entre le moment où j'appuie sur le bouton et le moment où je réappuie pour arrêter la vidéo. Sinon par défaut c'est livré avec des loops de 3 minutes. En fait ça ferait que des séquences de 3 minutes, donc même si vous filmez un quart d'heure ça vous fera 5 séquences de 3 minutes. Off. Le gyroscope, alors je sais pas à quoi ça sert. Dans l'appareil.
Aucune idée, le livret m'a pas aidé là-dessus. WDR, je sais même pas ce que c'est. Et pareil, hein, dans le livret, aucune info. Timelapse, je l'ai pas testé encore. Ça, je suppose que ça prend une photo toutes les 100 milli, 200, 500, 1 seconde, 5 secondes, et que ça fait directement une vidéo à partir de ça. Motion detection, ah oui, parce qu'on peut comme s'en servir en caméra de sécurité et activer la prise de vue par la détection de mouvement. Est-ce qu'on enregistre ou pas l'audio? Est-ce qu'on met un timbre avec la date dans l'image? L'angle, donc un angle 170 degrés, 140, 110 ou 70. Diving mode. Je suppose que c'est pour faire de la plongée. Hein. Night scene, j'ai pas testé. Faudrait que je teste. Self timer. À mon avis, c'est pour prendre des photos avec retardateur. Taille de l'image. Donc là, je me suis mis en 20 mégas, mais on a droit à 16, 12, 10, 8, 5, 3, 640 par 480. Burst, qu'est-ce que c'est ? Qualité, fine, normal, économie. Sharpness, high, normal, medium. White balance. Ah, ça vaudrait peut-être le coup, je testerai ça. Pour l'extérieur et tout ça. Color, black and white, c'est pas. Les ISO, auto, 100, 200, 400. Valeur d'exposition. Shaking, delete, protect, Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, ah ça c'est intéressant, je voulais pas montrer. Je vais vous montrer après. On est capable de contrôler l'appareil entièrement à partir du cellulaire. Donc on peut voir à l'intérieur du cellulaire l'image qui est prise, mais on peut aussi la contrôler, démarrer, arrêter des vidéos, ce genre de choses. Je vais vous montrer après. Donc ça on règle. Parce qu'en fait, le cellulaire se connecte à la caméra directement, donc on lui affecte un SSID plus un password. La date et heure à régler. Auto power off. 1, 2, 3, 5, 10 minutes. Hop. Beep sound. Donc ça, c'est pour activer le beep sur le menu. Voice prompt, c'est pour qu'elle vous parle. Quand elle va dire, on démarre la vidéo, on termine la vidéo. Je pense que c'est une petite madame qui parle, un peu comme un GPS. OSD, je sais pas ce que c'est. Car hack, j'imagine chargeur de voiture. OSD, c'est censé. Ouais, je vois pas trop à quoi sert cette option. Language. Bon, on va le tester en français, on va voir si c'est aussi bien traduit que le livret. Mode de TV, NTSC PAL. Ah oui, parce qu'on peut la brancher en HDMI sur une télé. Screen save 3 minutes, 1 minute. Bah ça, comme il est réglé sur l'auto. sur 3 minutes, comme mon auto-extinction, j'ai jamais vu se mettre. On va le tester, tiens. Fréquence 50 Hz, 60 Hz. Non. Je veux pas formater. Et là, j'ai pas de bouton. Je sais pas comment faire le retour. Je vais repartir à l'accueil. Il y a certainement un bouton retour, mais il me paraît pas évident. Hop. Voilà, screen saver, format. Réglage par défaut et la version. Voilà, donc là on a fait le tour. Je vais le laisser 30 secondes pour voir ce que c'est que le screen saver. Ah ok, le screen saver en fait c'est juste pour l'extinction de l'écran. Ah mais c'est bien ça, je vais le laisser à 30 secondes comme ça me permet quand je le pose quelque part qu'il n'y ait pas du monde intéressé à voir, mais tiens il y a un écran allumé là, c'est juste une petite boîte carrée posée par terre sans autre chose que la petite LED bleue sur le côté. Et maintenant je vais vous montrer l'ensemble des accessoires. Ici,
le câble. Donc il n'y a pas de câble HDMI qui est livré avec. Il y a juste le câble qui permet de recharger et transférer les... Les vidéos à l'ordi. Donc moi j'ai eu ça avec. J'ai perdu. Donc dans les différents accessoires, donc on a ça qui à mon avis permet à brancher sur un guidon. On a donc le câble, des sangles. Je sais pas trop m'en servir, je sais pas. Donc nous voilà avec l'Apeman branché et filmant. On remarque que l'angle est plus large que l'appareil que j'utilisais juste avant, qui je pense était le cellulaire. Ah bah, tiens, d'ailleurs c'est même pas le même cellulaire que dans le début de mon test. Celui-là c'est un Samsung Galaxy S5 Neo. Et en plus j'ai réglé l'angle de l'Apeman sur 70 degrés, donc l'angle le plus étroit possible pour avoir la table. Sinon ça me prenait vraiment pas mal de largeur de la pièce. Et voilà donc ce que je voulais dire. On a ça qui permet, avec ça ici, donc on peut brancher la caméra ici directement avec la fixation qui est là. Ah bah j'en ai un ici. Et on peut venir la clipper sur ça qui pourrait être collé par exemple à un tableau de bord ou quelque chose de voiture. Et venir clipper ici l'appareil en place. Donc les autres, là je l'avais pas enclenché à fond, hein, j'ai réussi à l'enlever facilement, mais si j'enclenche à fond, ça tient un peu mieux que ça. Les autres, sincèrement, je sais pas à quoi ça sert. et celui-là non plus, bien d'ailleurs. C'est comme un gros clip ici. Alors ici pour tester, j'ai mis la Apeman A80. J'en ai un autre. Ah, pas celui-là. Le Canon PowerShoot ELPH1901S. On a un deuxième qui est là-bas. Et mon cellulaire, Samsung Galaxy A5. Les trois sont vraiment côte à côte. Ça permettra de voir la largeur d'angle possible. En sachant que j'ai vu que sur la Apeman, on pouvait choisir. Si on voulait un angle, là, il est à 170, mais je pourrais l'avoir à 120 ou 90. Et la même chose sans le boîtier étanche. Encore la même avec l'appareil photo compact Canon PowerShot. Et celle-ci avec mon DSLR Nikon D3100. Donc la même chose avec le téléphone Samsung A5. En intérieur sans le boîtier étanche. La même chose en ayant passé l'angle de 140 à 170 degrés. Avec l'appareil photo compact. Avec le DSLR. Avec mon cellulaire.